bien bonjour à tous, c'est la Spider et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Minecraft. Aujourd'hui je voudrais vous présenter un tuto d'une machine. Vous dites mais qu'est-ce que c'est qui est derrière moi? Eh ben les amis, c'est une machine lanceuse de flèches rapide. Mais c'est incroyable, elle lance des flèches mais comme pas possible. Donc voilà, déjà là il y a la décoration un peu du devant comme une espèce de genre de mâchoire. Là il y a deux leviers, donc le premier levier ça c'est pour actionner le système hein, donc voilà avec la répétition, et dès que je vais activer le levier qui est là, et bien ça va activer toutes les flèches qui vont partir. Je vous fais la démo. Alors est-ce que je vais réussir à... bref, je vais vous faire la démo, ne vous en faites pas, je vais tout de suite vous montrer maintenant. Donc, notre petite machine, la voici, je vais vous montrer tout de suite comment elle marche. Donc, c'est pas des flèches en feu. J'aimerais bien, mais sinon, le système, il serait beaucoup trop grand, puis ce serait une trop grosse machine. Donc là, c'est juste une machine qui lance des flèches, mais méga rapidement. Je ne sais pas bien survie. Donc, on va avoir besoin déjà pour le tutoriel de ce truc, donc je vous montrerai dans le petit coffre qui est là-bas au fond. Elle a une très très belle décoration. Voilà, c'est une très très belle machine de décoration. Donc c'est un peu comme une machine du Moyen-Âge et tout. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc, comment elle marche? Tout simplement, je vais activer ce levier. Attention les amis, attention. Regardez les flèches qui sortent. OMG, regardez ça. Je vous jure, je trouve ça incroyable. Regardez le tas de flèches. Et là, il y en a plus. Ou est-ce que j'ai mis 15 stuff de 64 hein. Imaginez si vous en mettez plus de 64. Juste éteindre le truc. Hop, et là tout est désactivé. Hop, vous voyez, ça s'ouvre. Tac, ça s'ouvre et ça tire des flèches. Et là on ferme, tout simplement. Est-ce que c'est une petite machine très très sympathique que moi je trouve très sympathique. Voilà, même si je le dis tout le temps sympathique dans les vidéos. Donc dans cette vidéo, on va avoir besoin pour construire cette petite machine. Donc ça, donc les stone bricks, donc ça c'est les escaliers en pierre. Et bien tout simplement, on va pas les mettre en... On en a besoin d'autant qu'on veut, donc c'est pour ça que je mets des stuffs de 64. Donc stuffs de 64, ça veut dire que on en a besoin autant. Donc là encore, c'est la décoration. Décoration, vous faites comme vous voulez. Mais moi, j'ai fait comme ça, c'est pour ça que j'ai mis 64. Là, c'est pour la décoration, ça c'est pour les trappes, mais les trappes, vous en mettez où vous voulez, donc voilà. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout ceci, donc voilà, donc des pistons. Je vais balancer les flèches. On va avoir besoin des hoopers, de la redstone, 3 repeaters redstone, 2 leviers et 64 machin. Donc ça c'est pour les flèches hein, quand on va tester. Donc voilà tout ce qu'on a besoin. Donc vous pouvez mettre aussi hein, des flèches avec des effets de potion hein, bien sûr, c'est comme vous voulez. Donc nous allons avoir besoin, bon, on va déjà utiliser ceci, ceci, ceci et ceci pour faire la construction de la petite cabane. Quand je dis cabane, je veux dire la grosse machine. Donc, on va tout de suite commencer à récupérer les arrows, les flèches, c'est pas grave. Donc, on va tout de suite placer les pistons d'abord, voilà, pour nous retrouver un peu. Donc, déjà, vous allez mettre deux pistons levés sur le haut, comme ceci. Vous allez mettre des escaliers, voilà, comme ça. Donc là, vous allez vous dire, bah, comment on fait pour cacher tout ça? Eh bien, vous allez juste devant, vous allez faire... vous en mettez deux comme ceci. Hop. Je vais faire genre une espèce de canapé derrière un canapé. En pierre, bien sûr. Ensuite, on va avoir besoin de... des petits murets. Hop, vous mettez un bloc. Donc là, oui, c'est bug, évidemment. Un autre bloc. J'ai dit bug, mais c'est pas grave. Ensuite, nous allons avoir besoin aussi des escaliers en pierre, comme d'habitude. Là, ensuite, on va passer à la partie, donc c'est-à-dire des dispensers, donc les hoopers. Donc les hoopers, je les ai pas mis, tout simplement parce qu'on va en avoir besoin que de deux, mais vous pouvez ragrandir le système, c'est comme vous voulez. Ça va être aléatoire, c'est vous qui faites votre machine. Donc là, on va mettre... à la place des repeaters qu'on reprendra tout à l'heure. Donc voilà, j'en mets 64 parce que les hoopers, vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Donc là, je vais en mettre que 2, évidemment. Sinon, vous en prenez comme vous voulez, c'est comme vous voulez, c'est vous. Donc ensuite, on va avoir besoin, là, on va
casser les blocs là, parce que de toute façon, tout à l'heure, on va faire le système pour ouvrir ces petits pistons. Ensuite, on va continuer un peu le style de cette chère machine. Vous allez mettre un escalier de cette façon, un autre escalier. On va prendre cette fois-ci les hoppers que nous allons placer tout droit sur le dispenser. Hop. Voilà, comme ça. Ensuite, on va donc grâce avec les blocs. Vous voyez là, j'ai fait un espèce de genre escalier comme ça. Donc là, c'est ceux-là où il y a les hoppers derrière. Et ben, hoppers, enfin, comment dire, les dispensers, voilà, vous m'avez compris. Vous allez juste là, j'ai mis. Voyons voir. Donc là, vous allez vous mettre en sneak, ouais, comme ceci. Vous allez mettre un escalier de ce sens-là. Faites la même chose avec celui-ci. Hop, difficile à mettre. Hop, voilà, comme ceci. Ensuite, on continue. Donc voilà, je connais pas vraiment du tout, donc c'est pour ça que je vais pas rappeler tout le temps là-bas. Ensuite, vous allez mettre les escaliers à l'envers comme ceci. Donc, par contre, vous voyez au-dessus, il va y avoir besoin des trappes, mais on va pas les mettre tout de suite. On les mettra à la fin, hein. Bien sûr. Donc, ensuite, juste derrière, vous allez mettre des escaliers comme ceci, si je me trompe pas. Ensuite, alors, hop, des escaliers. Comme ceci, alors là, pour mettre les autres escaliers, ça va être chaud. Et voilà. Je vais tout doucement, hein, pour que vous voyez bien comme le tuto, ou si j'ai trop rapidement. Voilà, donc on fait une mâchoire, une sorte de mâchoire, hein, voilà. Donc ça, c'est pour faire le style, vous voyez ce que je veux dire, quoi, guerrier et tout, pour faire genre une machine de guerre. Qui lance des flèches à fond, quoi. Donc voilà, là on a une mâchoire comme ça. Donc là c'est un peu la même chose, sauf que le système il est fermé. Donc voilà, bon, ça nous donne la petite mâchoire du début. Ensuite, le plus compliqué, ça va être la redstone. Donc voilà, parce que je la connais pas du tout par cœur, la redstone. Donc ça va être le truc le plus embêtant. Là vous allez mettre un bloc, un escalier, mais tourné de ce sens. Alors, on va le casser, on va le mettre comme ça. Tac. Là on fait la même chose. Hop. Là vous faites un bloc comme ça, un bloc comme ça. Là, un bloc comme ça et un bloc comme ça. Voilà. Ça comme ça, ça vous donne, ça vous commence à vous faire un peu votre petite machine. Bien sûr, à un moment on va devoir casser, puisque regardez derrière, vous voyez, c'est un bloc ici entier. Mais là je peux pas vraiment le faire comme j'ai fait là de l'autre côté tout à l'heure, donc c'est pour ça que je suis obligé de faire comme ça. Ensuite, voyons voir, là on continue avec, donc là il y a le bloc, là il y a le petit truc qui est ici, donc là une, deux, oui. Ensuite on va avoir besoin des petites barrières en pierre que vous allez monter de deux hauteurs, si je ne me trompe pas, non mais non, c'est bon, je me trompe pas quand même. Hop, un bloc comme ceci, de quoi là notre petite machine commence à prendre forme, ma foi. Hop, un bloc comme ceci. Ensuite, nous allons refaire la même chose ici. Là, vous allez mettre un bloc comme ceci. Ensuite, un bloc comme ceci. Hop. Yeah. Hop, voilà, donc là ça vous donne un truc comme ça. Donc là c'est assez chelou, mais c'est pas mal. Donc là, vu qu'on va faire comme de l'autre côté, là vous allez casser ce bloc qui est juste là, vous allez mettre un bloc entier. De l'autre côté, vous n'allez pas mettre de bloc, parce que c'est pas là où on va mettre le truc du fonctionnement. Donc vous allez faire la même chose. Oulala. Sur le dispenser, merci. Alors oui, évidemment, là j'ai du mal. Là c'est à l'endroit comme ceci. Donc voilà, là c'est exactement la machine. C'est exactement la même machine. Ensuite, évidemment, parce que c'est un peu le but du tuto en fait, hein. Ensuite, on va continuer avec
Donc là, vous allez les placer à l'endroit, comme ceci. Hop, un bloc comme ça, un bloc comme ça, un bloc comme ça. Ensuite, la même chose de l'autre côté. Je sais pas si ça bug pour vous, hein, vous me direz dans les commentaires, je pense pas trop que ça bug quand même. Ensuite, vous allez mettre des demi-blocs, donc juste vous en mettez un seul, hop, hop, comme ça. Parce que là, après, on va tout remplir, parce qu'on va, on va continuer le tuto. Hein. Juste là, vous allez mettre un piston collant levé, comme ceci. Donc, pas ici, on va plutôt le mettre là, parce que vu qu'on va voir le système, vous voyez, là, ça se lève... Ah non, ça se lève là. Bon, bah, on va le mettre là, hein, voilà. Là, donc voilà, parce que là, regardez, quand on va mettre... Hop, le piston, il va se lever. Il faut un bloc. Vous mettez un bloc, hop, comme ceci. Ensuite, on l'abaisse. Ensuite, bah, vous remplissez tout. Non, je sais pas ce que je voulais faire. Hop, hop, hop. Voilà, le bloc s'est mis. Ok, chelou. Ensuite, voilà, vous faites ceci. Ensuite, après, vous voyez le petit pilier 2, hein, un truc comme ça, vous allez prendre, hop, un escalier que vous allez placer comme ça, comme ça. En fait, on va faire genre une autre mâchoire, mais de toute façon, hein, ça, c'est comme si c'était le fessier du de la machine, en gros. Hop, bien sûr, elle tire pas par les fesses aussi, hein. Ça, ça serait un peu trop cheaté. Mais bon, ce serait pas mal aussi. Si vous voulez faire ça, vous faites la même chose, mais... Faut faire deux mâchoires, quoi, en gros. Mais là, je vous montre juste, genre, la machine comme ça. Donc là, après, c'est un petit style. Si vous voulez faire plus petit et tout, si vous voulez camoufler le genre de truc de machine, là, vous faites comme vous voulez. Donc là, dispenser, on va plus en avoir besoin. Donc, on va commencer à prendre les repeaters. Vous allez mettre un repeater comme ceci, toujours au même tic, interdit de changer les tics, là il n'y a pas besoin du tout. Là c'est là où le bloc va se lever. Vous allez mettre un petit truc de redstone comme ceci, un repeater de ce sens plutôt, non, on va plutôt faire un repeater de ce sens et un autre repeater de ce sens là. Vous allez prendre de la redstone que vous avez placé comme ceci. Hop. Ensuite, vous prenez votre petit levier. Vous faites d'un coup comme ça. Après, évidemment, ça bug. Ah non, j'ai pas réussi. Faut aller très très rapidement. C'est ça le truc. C'est faut aller vraiment rapidement. Non, je me suis raté. Très chaud à faire. Je vous le dis tout de suite. Non. Méga méga chaud, on va dire. Non. Je vais jamais y arriver. C'est chaud. Voilà, j'ai réussi. Donc regardez comme ça fait. Vous voyez, ça va très 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 rapidement. Donc c'est ça qui va comme ça donc dans le truc. J'ai juste enlevé celui-ci pour que ça arrête. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, on va faire la même chose là-bas. Vous voyez, là, il y a un truc comme ça. On va faire tac. Ça bug. Tac, tac. Oui, c'est le système là qui bug. Comme ça, c'est assez chelou. Hop. Ensuite, voilà, votre machine est pratiquement terminée. Vous allez là. Là, vous pouvez mettre vos blocs. Évidemment. Tac, tac, tac. Tac, tac. Oups. Non, j'avais déjà mis. Tac, 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 voilà, j'ai réussi à le mettre. Là, on va plus avoir besoin des briques, donc vous allez les enlever. On va plus avoir besoin des demi-dalles aussi, du moins j'espère. Voilà, ensuite, vous mettez la petite... donc voilà, elle va passer à l'animer, vous voyez, avec la redstone, genre faire ça, tu vois. Genre faire ça, voilà, comme ça, à cause de la redstone, on va pas faire ça. Ensuite, donc, au niveau du système, c'est très simple. Je vais un peu vous montrer le truc. Donc, voilà, là, il y a le petit bloc, regardez. Là, il y a de la redstone. Il y a de la redstone. Alors, au pire, je vais faire avec vous, hein, comme ça, direct. Là, moi, je vais creuser un petit peu comme ça, tac. Alors, oui, bien sûr, ça bug, donc c'est sûr que ça va pas faire grand-chose. On va creuser, tac, tac. Hop, hop.
Donc là, j'ai pas mis aussi la petite redstone torche parce que vous pouvez faire autrement. C'est à votre guise. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis aussi. Bon, j'aurais dû la mettre évidemment parce que ça aurait été quand même mieux pour vous montrer un peu de tous les objets qu'on allait avoir besoin. C'est sûr, j'ai pas vraiment bien procédé, mais bon. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Là, on va voir la redstone qui va descendre comme ceci. Tac. Là, on va avoir un bloc avec une redstone torche ici qui va activer. Mais donc, non, on va pas la mettre comme ça. On va avoir plutôt besoin, pas d'une torche, hein, mais on va plutôt. Voilà, deux torches comme ça et deux repeaters. Voilà. Comme ceci. Et là, voilà, votre système est maintenant terminé. Donc, maintenant, on va vous cacher tout ça. Ensuite, vous dites, bah tiens, ma machine est maintenant prête, donc on va mettre nos flèches, évidemment. Voilà. Hop, on va remettre un peu ici, et on va remettre là-bas. On va mettre des flèches là-bas. Là, notre machine est terminée. Est terminée. Et exactement, bien, bien, bien terminée. Là, les potes, vous dites, oui. Parce que je suis prêt à appuyer sur le truc. Là, vous pouvez faire même des petites marches comme ça, hein, l'air, le fonctionnement de votre machine. Là, votre machine est maintenant terminée. Alors là, vous dites, mais comment on monte facilement? Donc là, pour réactiver le système, évidemment, vous allez avoir besoin de faire des trucs comme ça. On va avoir besoin d'escaliers. Les escaliers, c'est au pif, sinon vous faites un autre truc, hein, comme vous voulez. De ceci, donc ça, c'est quand vous voulez l'éteindre, le système, et que ça bug trop. Donc là, en gros, vous faites... Vous l'éteignez donc en appuyant dessus, donc là toute la redstone va être allumée, donc vous avez plus qu'à casser une petite de ces redstone et puis il s'éteindra automatiquement. Là vous mettez des petites échelles comme ça, vous allez voir s'il y a un problème dans votre système, tac. Hop, voilà, vous regardez, et puis là vous avez votre petite machine terminée, évidemment terminée. Là, j'appuie sur ça et attention, boum 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 boum. Vous avez vu ça? OMG, vous avez vu toutes les flèches que ça tire, les potes? Et là, hop, ça se referme et ça arrête de tirer. Donc évidemment, il y a toujours des flèches comme ça qui sont irrécupérées. Voilà, regardez-moi toutes ces flèches. Regardez-moi ce tas de flèches à l'eau, quoi. C'est trop génial. Je kiffe cette machine, perso. On a plein dans l'eau, en plus. Donc voilà, ce sera tout pour ce petit tutoriel. Je ne peux plus parler. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je ne sais plus parler, c'est normal parce que du coup je me suis déglingué la mâchoire tout à l'heure. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ça m'a fait très plaisir de faire ce petit tuto en votre compagnie. À bientôt pour la prochaine vidéo. Donc comme vous faites, hein, comme je vous ai dit au début, 100 vues et 10 likes à cette vidéo. Et je reverrai la prochaine vidéo. Sinon, vous savez, la prochaine vidéo n'arrivera pas. Vous voyez, dans le diamant, j'ai eu du mal à la sortir. Donc, j'espère que celle-ci, on aura 100 vues. Sur ce, eh bien, on se dit à bientôt. Tchuss les amis!